Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet d'actualité, ou oh, bien sûr plus léger, plus léger que certains sujets. Nous sommes nous parlons beaucoup du Festival de Cannes. Et moi j'aimerais tout simplement interroger les runes, pour savoir un petit peu, dans ce monde qui fréquente le Festival de Cannes, comment tout cela va évoluer. Est-ce un festival qui va continuer à perdurer Est-ce que le cinéma français va être, continuer à être subventionné à un coût de 2 millions Y a-t-il autre chose à savoir Regardons ce qu'en disent les rues. Vous voyez, la question est vraiment très très large. Il ne se passe pas toujours la même chose. Mais regardons. Alors déjà, on va faire comme d'habitude. Celle-ci est retournée. On va écarter toutes les runes qui n'ont rien à dire, qu'il n'y a pas de message. Et puis, mettons les autres de façon lisible. Alors si vous observez un petit peu ce dessin. On a l'impression d'un trait ici. Presque un T, je pourrais dire. Hein, si, on, si on regarde ici, nous avons un T. Qu'est-ce que ça veut nous dire Mais plutôt que d'y voir un T, j'y vois un pistolet. Comment je fais, me direz-vous Eh bien, regardez, nous avons ici le canon, le canon du pistolet. Ce que moi j'appelle la poignée, là par où on le tient, vous voyez, la gâchette et le percuteur ici. Oh, bien sûr, ce n'est pas un dessin d'art et il est renversé en plus. Si on y voit. Si j'y vois un pistolet renversé, abandonné sur le sol, je dirais qu'on va assister à un drame dans le cinéma français. Ah non pas un drame dans le sens du film, d'un film non, mais d'un drame, un sordide fait divers. Pas forcément associé à un fusil ou un pistolet, mais quelque chose va venir secouer le microcosme du cinéma français de ce cinéma bien pensant de ce cinéma subventionné puisqu'il était dans la question donc on y voit on y voit quelque chose de dramatique un mort un mort et ça va sortir dans la presse dans les journaux Vous me direz où, quand, comment, qui. Eh bien, on va essayer, on va essayer de décoder ce qui va se passer. Parce que vous voyez, on aurait pu parler, les rues auraient pu choisir de nous dire le cinéma français va s'éteindre, va monter en gloire, peu importe, hein. ou va faire un bide. Enfin, je ne sais pas. Je m'attendais, je m'attendais à tout, sauf à ça. Il semble qu'un meurtre, un décès. Par mort violente, un meurtre, ça ne porte pas d'autre nom, avec un scandale derrière, va arriver. Cette première rune est Anzouz. En Zouz, en Zouz c'est une rune de mort, de décès. Elle inspire la peur. Anzouz, c'est aussi la communication. C'est aussi la connaissance. Quand on voit cela, cela me conforte dans l'idée que oui, je voyais bien une arme, un pistolet renversé, mais aussi un meurtre. En rapport avec quelqu'un de bien connu. La communication, c'est quelqu'un pour moi qui communique souvent, fréquemment. Peut-être pas tous les jours, on ne va pas exagérer, mais on est bien sur quelqu'un. Ce n'est pas un acteur, un petit acteur de seconde zone. Vous voyez, on voit quand même pour moi une tête d'affiche mêlée à cette histoire-là. Manase, que vous voyez ici. C'est une rune plutôt, on va dire, qui symbolise les bons sentiments, la bien-pensante, pensance pardon, la solidarité. En tout cas, celle que l'on se figure. On a l'impression que cet acteur, on le dirait plutôt bon, plutôt sympathique. Vous voyez, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'il faut interpréter, parce qu'il ne faut pas prendre les, lettre, les runes au pied de la lettre, mais les remettre dans le contexte. Pour moi, on a affaire à quelqu'un, eh bien, quand on le voit à l'écran, il a plutôt des rôles sympathiques, on dirait, oh, il doit être sympa, ce gars-là. Parce que oui, pour moi, c'est plutôt un homme qui est, c'est plutôt un acteur chez qui, euh, qui est mêlé à cette affaire-là. Et puis, il faut savoir aussi que Manaz, c'est une rune liée au dieu Emdal, Odin et à la déesse Frigg. Ce qui sous-entend que nous pourrions bien... Alors, dans notre époque, les dieux ont disparu, en tout cas euh, les dieux scandinaves, mais dans l'esprit des runes, les dieux étaient les personnes les plus haut placées dans la hiérarchie. Et j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec un acteur français, avec une tête sympathique, on va dire, tu le dire comme ça. En tout cas, quelqu'un qu'on ne penserait pas mêler à ce genre d'affaires, en tout cas, de prime abord, en regardant ses films. Vous voyez, c'est en regardant ses films, hein, pas si on gratte ce qui se passe réellement. Et puis, de se dire que nous allons avoir des politiques mêlées à ça. Alors, meurtre, spectacle, politique, ça commence sérieusement à me rappeler l'histoire de Pierre Palmade. Et pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont peut-être pas vu les vidéos, il y a à l'époque, quand il y a eu le scandale sur Palmade, j'ai fait quelques vidéos montrant qui était l'homme politique mêlé à tout cela. Et voilà qu'on se retrouve à nouveau au cœur d'un futur scandale. Laguse, La c'est une rune qui parle de croissance, d'évolution, d'étape. Ça, ça ne vous évoque personne quand on parle de croissance, à part un ministre de l'économie bien connu pour ses frasques littéraires et, et ses fréquentations douteuses dans le monde du spectacle. On dirait qu'on va le revoir. On dirait bien que le voici à nouveau mêlé à un futur scandale. S'en suivra pour ce ministre, je vais dire un licenciement, une forme de restructuration, appelez ça comme vous voulez. Ce scandale sera le scandale de trop, celui qu'on ne peut pas étouffer. En tout cas pas comme on le souhaiterait. Ça provoquera la chute de ce ministre. Pertro ici, Pertro, c'est la... C'est une rune qui indique qu'il faut connaître son destin pour l'assumer. Mais si vous regardez, Pertro est associé à Isa. Isa qui montre le pouvoir, une forme de solitude d'homme qui est seul, qui veut être seul. On a l'impression qu'il y a un deuxième personnage du gouvernement ça, et ce personnage c'est celui qui serait au sommet de l'état actuel en France. Vous avez bien compris de qui je parle. De celui qui est au sommet de l'état actuel. So, Willow ici. Cette foudre qui vient frapper, c'est l'idée d'un niveau de compréhension, une découverte. Quelque chose se met à se découvrir. Mais regardez, on laisse l'acteur ici, le ministre ici, et lui, ça va lui coûter son poste. Et d'un seul coup, on découvre le plus haut personnage de l'État avec le côté... Féminin dans les runes, et le B de, je vous laisse compléter la suite, parce que c'est bien un B qui est écrit ici. Et cette rune, Bergano, c'est le côté féminin un couple, un ministre, un acteur français mêlés à une mort. Sauf que ici nous avons une rune de protection. S'il y a une rune de protection, ces deux-là disparaissent. Ils seront exfiltrés, on va le dire comme ça. Rien ne se transparaîtra sur ceci, sur ce qui se passe à leur niveau. Vous voyez cette rune de protection Hélas, c'est la rune de protection qui montre que quelque part, il y a un ami ou un gardien ou, ou en tout cas quelqu'un qui vient protéger. En fait, j'ai utilisé le mot exfiltré pour ne pas les mêler à ce scandale. Et ici enfin, nous avons Ewaze. Ewaze indique des transformations à venir, mais aussi la survenue de mort et regardez surtout elle n'est pas placée au début de ma lecture elle est placée à la fin ce qui veut dire que dans les personnes qui seront ici d'autres des anonymes des inconnus eh bien ils vont disparaître parce que ici il y a un secret à protéger alors si ce tirage vous a intéressé eh bien n'hésitez pas à le faire circuler autour de vous à le partager nous sommes dans le futur. Certains vont me demander quand Cette année. C'est sur cette année que tout ça va se passer. Observez bien ce qui se déroule. Il y aura des choses qui vont fuiter. Regardez sur Telegram, sur X ou sur tout réseau. Vous aurez l'information qui passera. Souvenez-vous, acteur du cinéma français, politique, politique. Si vous souhaitez un tirage pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Attention, je réponds gratuitement à des questions précises. N'oubliez pas de me mettre votre date de naissance et vous pouvez m'envoyer tout ça sur utervoyant.com. Attention, j'ai un délai de réponse assez long en ce moment. Comptez trois bonnes semaines. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.